Salut à tous, c'est Jordan et dans cette vidéo je vous emmène pour une pêche de quelques heures sur une petite rivière qui est juste en bas de chez moi. Je n'ai encore jamais pêché ce poste, mais j'ai tout de suite de l'eau, j'ai vu que j'avais tout de suite 1m50, 2m d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais pêcher vraiment à bout de canne en extrême bordure. Donc je viens d'amorcer avec la Tiger et des bouillettes kit carp. Donc j'ai tout mélangé et j'ai amorcé en extrême bordure, donc je viens de tendre les cannes et on va voir ce que ça va donner. Donc l'eau est vraiment très sale, elle est très froide aussi. J'ai un petit peu d'activité de blanc sur le cou. Donc j'ai mis une canne avec une pop-up en test et une autre danse avec le même parfum. Donc vraiment en extrême bordure, donc voilà, ça pêche. Je pêche avec le fil détendu. Vu que je suis en extrême bordure, les poissons ne peuvent pas revenir. Donc j'espère vraiment toucher du poisson. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc là je pêche avec deux cannes, celle qui est plus à droite c'est la bouillette dense qui est vraiment à ras la bordure. Celle de gauche elle pêche avec une pop-up, celle qui est posée au sol qu'on voit par ici, et en fait c'est ma caméra que je teste, la caméra sous-marine, donc on verra si ça fait des beaux clichés. Donc voilà, je suis vraiment au bout de la canne, le fil tombe vraiment droit au fion. Je viens d'avoir une petite table sur une des cannes. J'ai vraiment pas mal d'activités de petits blancs, donc on va voir ça. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Ouais, bien voilà, au bout d'une heure de pêche avec une bouillette en test de chez Kitka. J'ai pas pu vous mettre le départ car mon appareil a dû bugger. Du coup il n'a pas enregistré tout le combat. Mais voilà, en extrême bordure, dans 1m50 d'eau. Les nouveaux produits KitCarp promettent vraiment de cartonner. Allez, on va la remettre à l'eau.
Bon, eh bien voilà, je vais vous présenter un petit peu le montage qui m'a permis de prendre ce poisson. Donc voilà, clip long tétine classique, un émérillon avec un clip rapide et une tétine que j'ai mis sur le clip rapide, bas de ligne en tresse, nœud sans nœud classique avec un hameçon numéro 2. Bon, je vais vous montrer à quelle distance je pêche. Voilà, vraiment un bout de canne. Et voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment de l'extrême bordure. Bon, il est l'heure pour moi de plier. Dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps. J'avais juste quelques heures devant moi. Donc voilà, je vais plier, rentrer chez moi. Mais j'ai fait un poisson, donc je suis le plus heureux.